Tout semble calme. Le terrain est dégagé. Pourtant, ces serpents ont surgi de nulle part. Ce nouveau-né est une proie de choix, mais il a senti le danger. Rapides comme l'éclair, ces reptiles sont petits et peu venimeux, mais ils ingurgitent après les avoir étouffés toutes sortes d'insectes, de rongeurs, des poissons échoués et bien sûr des iguanes. Ce bébé a sauvé sa vie. Les serpents ont réagi trop tard et repartent bredouille. Mais d'autres petits pointent déjà le bout de leur nez. Et cette fois, un comité d'accueil les attend. Chaque année, au printemps, c'est la même histoire. Ces naissances sont la promesse d'un festin. Sur terrain plat, le petit iguane est plus rapide que les serpents. Mais le voilà pris dans une embuscade. Dernier petit sort la tête du sable. Mais tout de suite, il aperçoit le danger qui l'attend. Prudent, il se risque hors de son trou. Il observe de loin, se déplace lentement. S'immobilise. Avant de filer comme un boulet de canon. L'œil d'un serpent détecte uniquement le mouvement. Si ce petit reste parfaitement immobile, il parviendra peut-être à tromper l'ennemi. Mais cette fois, le serpent était trop près. Il l'a senti. Magnifique instinct de survie, rapidité, agilité, courage. Même écrasé sous le poids de ses adversaires, ce petit iguane a lutté jusqu'au bout pour sauver sa peau. Dans la nature, ce combat perpétuel pour la survie pousse les animaux
au-delà de leurs limites. Il est aussi à l'origine de leur formidable diversité.